Aujourd'hui, on inaugure un bâtiment qui est en fait le résultat d'une belle collaboration entre l'OPAC de la Savoie, la commune de Nyon et la communauté de communes Cœur de Savoie, chacun ayant pris sa part dans ce bâtiment, l'OPAC pour faire 6 logements, la commune de Nyon pour réaliser des locaux associatifs et en particulier la médiathèque dans laquelle nous sommes, et puis la communauté de communes Cœur de Savoie pour des locaux pour la petite enfance, en particulier une crèche qui accueille 24 enfants, et puis des locaux d'accueil enfants-parents. C'est l'aboutissement tout simplement d'un projet qui date de plusieurs années et qui se concrétise au bout donc de 3 mandats, qui n'étaient pas les miens, puisque moi je suis sur le dernier mandat. Là. Mais bon, l'ensemble des choses était relativement bien pensé. Une crèche intercommunale, c'est très très bien. On profitait pour faire 6 appartements, dont 2 T3 et 2 accès donc handicap, très bien. Une belle crèche pour la commune, on en avait une qui existe depuis 30 ans mais qui était vétuste. Donc maintenant la qualité de travail va être autre. Et puis une belle salle de réunion. Ce sont des logements qui seront destinés à être loués. Aujourd'hui, il y aura 4 types 2 et 3 types 3. Les types 2 sont loués de l'ordre de 330 € par mois. Donc ce sont des logements qui également pourront bénéficier de l'aide personnalisée au logement. C'est une opération qui vient de se terminer et on souhaite bon vent aux futurs locataires ainsi qu'aux futurs lecteurs de la bibliothèque. Et puis je vois que la relance est déjà là avec le pôle enfance. Voilà, et donc c'est le résultat d'un beau travail en commun entre nous tous, d'un bâtiment qui a coûté un peu plus de 3 millions d'euros, pour lequel la communauté a pris à sa charge à peu près la moitié pour les locaux de la crèche, avec de belles subventions du département et de la CAF. Voilà, et on est très heureux de ce bâtiment qui est un nouveau bâtiment de service public pour la communauté de communes, et puis qui est à la fois un bâtiment qui allie des locaux communaux, des logements sociaux. Pour nous, c'est important, c'est tout ce qui fait la vie d'une commune comme Nyon, avec des équipements communautaires, des équipements communaux et du logement pour tous. Je crois que c'est une belle réalisation et on est plutôt aujourd'hui très heureux et très fiers. Voilà une opération qui globalement se termine bien et qui, d'après les échos qu'on vient d'avoir au cours de cette visite, qui sont plutôt agréables à tous les niveaux. Thank you.